Dans l'actualité du 13h15, 300 000 francs CFA pour chaque blessé de l'insurrection populaire et du putsch manqué. Après les médailles de la décoration du 11 décembre, l'opération d'indemnisation a débuté ce matin à Ouagadougou. Combien sont-ils? Combien de temps va durer le processus? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, devoir de redevabilité du Conseil national de transition. Ce 14 décembre à Gaoua, une délégation est allée répondre aux questions des populations sur ce que l'institution transitoire a posé en une année d'activité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On en parle dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Après les médailles, l'argent de la décoration pour les victimes de l'insurrection et du putsch manqué. Le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale a lancé ce matin l'opération d'indemnisation des blessés de l'insurrection populaire et du putsch de septembre dernier. Chaque blessé a reçu la somme symbolique de 300 000 francs CFA. Le ministère explique par ce geste que la nation reconnaissance s'exprime ici. Mokhtar Ouedraogo, Viviane Tiendrabego. Soufna Nakanabo fait partie des victimes des événements des 30 et 31 octobre 2014. Aujourd'hui, les blessures ont cicatrisé et c'est avec humour qu'il les montre devant la caméra. Il perçoit l'appui du gouvernement comme un symbole. Nous sommes tous nombreux ici à toujours porter des choses que voilà, on ne pourrait pas remplacer avec 300 000. Mais quand la nation décide de vous donner quelque chose, pour vous témoigner sa reconnaissance par rapport à une action que vous avez menée. Quelle que soit cette somme-là, vous avez vraiment le droit de reconnaître que c'est une bonne chose. Donc nous apprécions à sa juste valeur. Les victimes de l'insurrection et du putsch sont estimées à environ 900. Pour le moment, plus de 300 ont été identifiés. Ils recevront chacun 300 000 francs CFA. Une autre procédure est en cours pour l'indemnisation des autres victimes. La justice va se mettre sur un certain nombre de dossiers vraiment sensibles, de sorte que toute la lumière soit faite et qu'en termes d'indemnisation, justement, c'est à l'issue de ces conclusions judiciaires que l'on pourra appeler ces personnes pour les indemniser. Mais dans l'immédiat, en termes de solidarité nationale, nous nous sommes engagés donc dans la dynamique d'accompagnement social à apporter à nos victimes. Plusieurs guichets sont ouverts à l'immeuble Baonguin pour accueillir et indemniser les victimes de l'insurrection et du putsch du 16 septembre. Pour le Conseil national de transition mis en place après l'insurrection populaire d'octobre 2014, l'heure n'est pas à l'indemnisation, mais à s'acquitter de son devoir de rendre compte. Ce 14 décembre à Gaoua, dans le sud-ouest du Burkina, une délégation du CNT a rencontré les représentants des couches sociales de la région. Au cours des échanges, ils sont revenus sur les lois votées par les députés de la transition. Pour eux, ces lois intègrent les aspirations profondes des populations burkinabè exprimées à l'occasion de l'insurrection populaire. Dramane Kabouré sur place à Gaoua. À quelques semaines de la fin de leur mandat, les mandataires des insurgés des 30 et 31 octobre 2014 rendent compte de leur mission d'un an aux populations du sud-ouest. Voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale sont entre autres principales missions qui étaient assignées aux députés du Conseil national de la transition. Nous avons adopté à ce jour une centaine de lois et de résolutions, aussi bien entrant dans tous les domaines de la vie sociale. Donc c'est ça qu'on est venu, on a présenté ces différentes lois-là pour que les gens comprennent pour telle et telle loi, dans quel sens ça a été pris. La loi portant statut des forces armées nationales et celle relative à la magistrature suprême, la loi contre la dépénalisation des délits de presse, la prévention et la répression de la corruption, la loi portant mise à disposition des documents administratifs aux hommes des médias et celle relative au code électoral ont fait l'objet de débats entre acteurs de développement du Sud-Ouest et de la délégation du Conseil national de la transition. Chacun tire en tout cas un point d'intérêt, mais il faut avouer que pour un an d'exercice, le nombre de lois qui ont été votées est suffisamment élogieux. Ceux-ci disent compter sur la bonne volonté des nouvelles autorités à mettre en application toutes les dispositions réglementaires que le Conseil national de la transition a adoptées. Devoir de redevabilité, mais aussi souci de performance pour l'administration fiscale au Burkina Faso, ce matin, la Direction générale des impôts a entamé les travaux de sa 4e conférence annuelle. La gestion des ressources humaines pour une administration fiscale de qualité est au centre des débats. Consum Koulibaly, Lazare Pouya. C'est une conférence annuelle de la Direction générale des impôts qui s'ouvre dans un contexte post-insurrectionnel sur le management des ressources humaines. Un management dont l'objectif final est d'arriver à une administration fiscale moderne et performante. Et pour y arriver, ces participants vont entre autres échanger sur le plan de carrière des agents, la planification stratégique des ressources humaines et la gestion de la communication. Le taux de progression annuel des effectifs de la DGI est de 10% depuis 2012. Ces évolutions permanentes des effectifs et l'environnement socio-économique interpelle nos administrations à adopter de nouvelles méthodes de travail en phase avec les exigences du moment. Les participants à cette 4e conférence de 3 jours devront sans complaisance réfléchir entre autres sur les modes des affectations et des nominations. Ces questions font constamment l'objet de réformes en vue d'une amélioration des conditions de vie et de travail des agents dans un environnement socio-économique en perpétuelle mutation. C'est donc dire que l'administration a pris toute la mesure de l'importance des ressources humaines dans la performance de ces structures. À terme, la rencontre devrait aboutir à des propositions de solutions en vue de satisfaire les attentes des travailleurs de la Direction générale des impôts. Le ministère de l'Environnement mène également en ce moment une réflexion sur un plan de recrutement pour la période 2016-2020 et la formation du personnel pour les 3 années à venir. L'objectif étant une meilleure organisation du département. Le recrutement concerne des ressources humaines de qualité adaptées aux besoins du ministère et la formation vise à accroître la productivité du personnel. On fait le point avec Moukoun Dabiré et Jean-Eude Bayala. 2 documents sont à l'ordre du jour de cette rencontre de validation. Le premier est relatif à un plan de recrutement quinquennal 2016-2020 en vue de doter le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques d'une ressource humaine qualifiée et adaptée pour l'exécution de ses missions. Le second concerne un plan de formation qui, lui, se fixe pour objectif d'accroître la productivité, l'efficacité et le rendement du personnel pour les 3 années à venir. Le ministère de l'Environnement est étalé jusqu'au village, c'est-à-dire dans le département, très déconcentré. Donc il fallait, et comme nous n'avons pas suffisamment de personnel, le peu de personnel que nous avons, il fallait trouver les moyens pour les doter du minimum de compétences pour occuper efficacement leur poste. Maintenant, en termes de quantité, c'est le même problème. Et comme l'État est assez pauvre, il ne fallait pas recruter chaque jour parce qu'il faut recruter, mais il faut faire de telle sorte que quand on recrute quelqu'un, qu'on sache exactement où on doit le mettre. À travers ces documents, il s'agit pour les responsables du ministère en charge de l'environnement d'assurer une optimisation continue des compétences au service de la stratégie du ministère. Au ministère en charge de la santé, ce souci de la qualité des ressources humaines est partagé avec la riposte contre la maladie à virus Ebola. Le ministère s'inscrit dans une démarche d'anticipation et forme plus d'une 20aine de médecins à travers une simulation de cas pratiques à Ouagadougou. Sali Douça, Fabrice Nebié. À cette formation, médecins et infirmiers renforcent leurs compétences techniques en vue d'une gestion adéquate d'éventuels cas suspects ou confirmés de la maladie à virus Ebola. Ils s'exerceront notamment à l'utilisation correcte du matériel de protection Ebola et à la conduite à tenir en situation réelle. Le projet d'appui à l'opérationnalisation de la préparation contre une éventuelle épidémie d'Ebola entend ainsi apporter sa contribution à la lutte contre cette maladie. Cette activité qui se veut très pratique va en tout cas entraîner les agents de santé à faire face à un éventuel cas de maladie à virus Ebola. Comment ils vont agir rapidement pour en tout cas que cette maladie ne gagne pas à se propager à l'ensemble de la population. L'initiative est ici saluée. Ce qui est arrivé dans beaucoup de pays qui a fait que l'épidémie a tenu pendant plus d'une année parce que leur personnel de santé n'était pas aguerri, n'avait pas les capacités et les compétences pour arriver à prendre en charge des cas. Et c'est ça que nous voulons éviter. Et la formation d'ailleurs s'inscrit dans le plan global de préparation et de riposte à une éventuelle maladie à virus Ebola dans notre pays. Cette formation de 5 jours concerne les membres de l'équipe d'intervention rapide Ebola et ceux d'investigation référents des districts sanitaires et des centres hospitaliers de la ville de Ouagadougou. Outre la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé est soucieux également de la gestion des districts sanitaires du pays. Hier à Kongoussi, il a achevé une formation au profit d'une trentaine de médecins sur le sujet. Ils ont bénéficié également d'expériences sur la pratique en chirurgie essentielle. Lazare Pouya, Jean Zongo. Après 6 semaines de formation à la conduite des activités du district, de nouveaux concepts et de nouvelles approches, ces 30 médecins sont désormais nantis de nouvelles compétences dans l'organisation des services de santé et dans la prise en charge des patients. Ces 30 médecins ont reçu donc 16 modules qui ont été dispensés. Et cela va donc des concepts généraux en passant par les aspects de qualité des soins, du management de la qualité des soins, avec la supervision du personnel de santé, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, mais aussi des aspects de législation sanitaire. Parmi ces 30 médecins, 16 ont été formés en chirurgie essentielle. Tous les lauréats de cette 25e session ont pris l'engagement de mettre leurs connaissances au service de la nation. Cette formation nous a permis d'approfondir nos compétences en santé publique. En ce sens, ça va nous permettre de mieux gérer nos districts sanitaires. Cette formation vise comme objectif à renforcer les capacités managériales des médecins au niveau des districts sanitaires qui constituent en fait le point de contact des populations avec notre système de santé. Dr Guénébassano a également exhorté les lauréats à cultiver le dialogue, la communication et la bonne gouvernance au sein de leurs services respectifs. Ils ont également la lourde mission de choisir les meilleures alternatives et stratégies pour améliorer l'état de santé des populations. À l'image des professionnels de la santé qui se veulent altruistes, Per Tor Teksum est un bon samaritain qui soulage les souffrances des parents d'enfants et des élèves dans la province du Bam. En 10 ans, notre bienfaiteur norvégien d'origine a construit près d'une dizaine d'écoles primaires dans la province. La dernière en date vient d'être inaugurée la semaine dernière à Vunosgo, un village de la localité. Présentation avec Tanga Robert Kafando et Mokhtar Ouedraogo. Avec cette école, les élèves du village de Vousnango dans le Bam sont soulagés du vent, de la poussière et du froid dans lesquels ils apprenaient sous la paillote. Et le bon samaritain s'appelle Plan Burkina à travers son partenaire Per Tor Teksum. Une école de 3 classes, des logements et des latrines qui vient porter à 8 le nombre d'écoles construites par les Norvégiens dans le Bam depuis 2008. Je suis vraiment impressionnée par la qualité des classes et aussi par l'engagement des communautés. Parce que bon, c'est une école qui a démarré cette année, mais nous voyons quand même qu'elle est bien entretenue et par les élèves, et par la communauté et aussi nous savons que vraiment en ce sens ça va être durable. La cérémonie d'inauguration a connu la présence des populations du village, des responsables de la province et des acteurs de l'éducation qui ont tous remercié le geste de Teksum et ont promis de jouer leur partition pour que le joyau porte de bons fruits. De plus en plus avec la sensibilisation, avec notre apport, avec tout ce que nous menons comme plaidoyer et sensibilisation sur le terrain, petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Teksum a souhaité que les populations fassent sienne cette école et qu'aucun enfant en âge d'aller à l'école ne reste à la maison, car pour lui, l'objectif est d'avoir des enfants à l'école et non construire des écoles. Une école pour le village de Vousnango, mais il en faut davantage pour la scolarisation au Burkina, surtout celle des filles. L'éducation de ces dernières, souvent compromise en raison des difficultés d'ordre culturel et économique ou géographique. Dr Philippe Ouédraogo est spécialiste de l'éducation. Il a produit un ouvrage sur comment vaincre les obstacles liés à l'éducation des filles. Hier à Ouagadougou, il a présenté son livre au grand public et en présence de Abdoul Rasmané Zongo. L'ouvrage de 300 pages de Philippe Ouédraogo vaincre les obstacles liés à l'éducation des filles, tiré de sa thèse de doctorat, a été successivement édité en anglais et en français et décliné aujourd'hui en Moré Dioula Fulfulde. C'est cette déclinaison en langue nationale qui fait office de dédicace. Selon l'auteur, les mots qui minent l'éducation de la gente féminine peuvent être catégorisés en facteurs culturels et traditionnels, financiers et économiques, géographiques, parfois conjugués avec une absence de prise de conscience. J'ai été motivé par la situation nationale, l'état de pauvreté, disent de nous au Burkina Faso, et le niveau d'éducation et le fait qu'il y a toujours des enfants au Burkina Faso qui n'ont pas bénéficié même de l'éducation de base. Je me suis dit que étudier en Angleterre, c'est bien de parler anglais avec les Britanniques, mais il faut revenir au Faso, voir comment ceux qui parlent les langues nationales comme le Moré, le Dioula et le Fulfulde, comment traduire ça concrètement pour que ceux qui n'ont pas eu l'opportunité que j'ai eue puissent avoir accès à l'intégralité de l'œuvre. La version française de l'œuvre coûte 8000 francs CFA et celle en langue locale 3200 francs. Et puis pour terminer, la levée du mot d'ordre de grève générale de l'unité d'action syndicale, la signature de convention entre la Sofitex et le pôle bancaire national et l'investiture du président guinéen Alpha Condé sont les sujets importants traités dans les colonnes des quotidiens de ce mardi. Revue de presse signée. Le mot d'ordre de grève générale est levé, mais il n'y aura pas de trêve sociale. Propos de l'unité d'action syndicale dans les colonnes des parutions du jour. Le mouvement syndical juge le mot d'ordre à présent vide de son contenu, après que quelques-unes de ses principales revendications liées à l'avènement du putsch de septembre aient trouvé solution. Cette levée du mot d'ordre, selon les responsables syndicaux, ne constitue aucunement un état de grâce accordé au président nouvellement élu. Pour eux, ce serait même insulter son intelligence que de demander une trêve sociale quand la maladie et la faim ne connaissent pas de période de grâce, peut-on lire. Pendant ce temps, la Sofitex, elle file le parfait amour avec son pôle bancaire national qui a décidé de lui accorder une enveloppe de 80 milliards de francs CFA pour la campagne cotonnière 2015-2016. Cette somme va servir à la nationale des fibres textiles pour assurer le transport du coton dans les usines et son évacuation vers les ports d'embarquement. Investiture du président guinéen Alpha Condé, 5 autres années pour convaincre, titre l'observateur Palga. Le journal veut bien croire de toute bonne foi qu'avec les péripéties que la Guinée a connues sous son premier mandat, fait de contestation suite à son élection et surtout de la désastreuse épidémie d'Ebola, Alpha Condé va avoir la latitude d'agir et d'imprimer sa marque. Des travaux d'Hercule, il y en a sur le chantier de développement de ce pays, qui n'a connu à sa tête jusque-là qu'un despote, un fantasque et un roi fainéant, qui n'ont rien offert d'autre aux Guinéens que souffrance. Reste maintenant au président Condé à faire la preuve qu'il est l'homme d'État capable de relever les nombreux défis. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.